Mais pourquoi la mort de Chebeya Zeltan? Pourquoi cette mort Zeltan? Chebeya a été assassiné dans les installations de la police nationale. À qui encore on peut faire confiance? On y est, Fleury. On a tout dit volonté. Papa, il m'en sent pas, papa. Papa, va révéler, papa. Florimère dérangé par la force de la vérité de ses rapports sur l'état des droits de l'homme dans notre pays. Cette vérité-là dérangeait et il fallait supprimer, éliminer cette vérité. Et il y aura toujours des Florimères aussi longtemps que l'homme ne comprendra pas que l'autre, c'est son frère. Florimère, même si tu es parti, mais je suis fière de toi. Florie, je t'aime et je t'aimerai toujours. Souviens-toi de moi. Je t'aime. Je t'aime. Kabila assassin, oh oh oh. Il a tué. Il a tué. Florimère, le combattant. Nous demandons. Nous demandons. Sa démission. Sa démission. À l'immédiat. À l'immédiat. Je suis le chef de la police, Monsieur le Président. Je suis le chef de la police. Tous les officiers de la police doivent m'obéir. Et c'est ce qui montre d'ailleurs que je suis autoritaire. Jusque-là, Monsieur le Président, moi je ne sais même pas jusqu'aujourd'hui pourquoi Monsieur Chebeya voulait me rencontrer. Je ne sais pas. C'est une véritable chape de plomb que l'on essaie de faire tomber aujourd'hui sur le procès. C'est parfaitement invraisemblable et c'est surtout insupportable pour les familles des victimes. Nous avons découvert un corps sans vie allongé sur le siège arrière qui avait des lésions au niveau des deux avant-bras. Il y avait du sang qui coulait par la bouche. Il y avait un mouvement irrégulier du cou, c'est-à-dire les coups tournaient dans tous les sens, ce qui est anormal. Aussi anormal que l'assassinat, je veux dire plus précisément le crime d'État, un pouvoir qui repose sur le sang, ne peut pas durer, ne doit pas durer. Les assassins de mon mari, tous ceux qui ont participé à cet odieux crime, de loin ou de près, ne trouveront pas la paix. Papa, pour toujours, pour la vie, je suis sûr où tu es, tu veilleras sur nous.